Peut-être qu'il y aura une partie consacrée à The Legend of Zelda et d'autres parties à d'autres licences connues de Nintendo, mais pour l'instant... Dans tous les cas, ils ont presque mis tous les personnages de Zelda, mais ils auraient dû mettre quand même Vati, parce que Vati a quand même eu 3 jeux en tant que méchant. Si quelqu'un y connaît, vous... Oui, je connais. Pas, mais bon... Mais bon... Je m'aurai... Autant adapter, autant adapter les plus importants. Ils m'ont dit, tu aimerais bien aller à ce parc. Je leur ai dit, désolé, je leur ai dit que c'était pas vraiment... Que j'étais plus Team Sega que... Bah, tu vois Sonic, mais après, si j'étais Team Sega, enfin, dans le côté de Sonic, j'aurais mis Dr. Eggman, j'aurais mis Mecha Sonic, j'aurais mis Shadow, j'aurais mis Knuckles. Bref, quoi. Alors, pour... pas mal de persos de Sonic, quoi. Bah disons que Sega a quand même beaucoup, 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 beaucoup de licences. Ouais, en vrai, Sega a beaucoup de licences. C'est juste qu'ils mettent plus en avant Sonic. Et encore. Disons qu'il y a des trucs quand même vachement connus, quoi. Du style, rien que sur... À l'époque de Master System, t'avais Wonder Boy qui était hyper connu. Ensuite, t'as eu Beyond Oasis qui était un Zelda aussi bon qu'un vrai Zelda. T'avais les Bonanza Brothers, t'avais tout le casting de All-Star Racing, G7 Radio, Knight. Il y avait aussi des jeux comme Bayonetta, si on compte les studios tiers. Parce que bon, après il y a aussi les personnages depuis un petit moment, t'as Hatsune Miku, en termes de jeu. C'est clairement loin d'être des... Leurs licences sont clairement loin d'être accueillies. En termes de jouets et de dessins animés, t'as eu aussi Bakuga et les Dinosaur King. Oh. Oui, c'était... J'ai vu à Wakanan... Iris, Zéro, Omega. Ok. C'est bon, j'ai deux pièces bananes. Bizarre, Megaman, Ristar, Alex Kidd. Ah oui, Alex. Ristar aussi, quand même. Et c'est étoile que j'avais aperçu dans un fan game. Oui, et aussi c'est lui qui secoue le drapeau dans Racing. Ouais. Disons que je l'ai aperçu dans un fan game, un crossover entre Sonic et Knight. Ouais, ça s'appelait Sonic RPG. Il y a Billy aussi. Ah, c'est un très très vieux jeu Flash. Un très vieux jeu Flash, on va dire. Bah, comme je l'ai dit une fois, j'ai les goûts de vieux. Bah, clairement, Sonic RPG, j'avais beaucoup adoré quand j'étais comme ça. Moi j'ai joué pendant mes années lycée à ça, il y a Sonic Final Fantasy Final Fantasy Sonic X, oui c'est ça. J'ai joué aux deux. Et c'est à peu près les deux qui m'ont donné l'amour des crossovers en fait. D'accord. Alors, ouais, j'ai de bons souvenirs de ces deux jeux. Meilleur que Sonic Dream Collection. C'est un fan game aussi, Dream Collection. Heureusement. Ouais. Heureusement. Et ça me fait encore des... J'en fais encore des cauchemars. Enfin, il y a ça qui me fait faire des cauchemars et un autre fan game Sonic. Alors je te rassure. Par contre, il y a un truc qui est assez triste, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ça a vraiment été un vrai jeu vendu. Dream Collection. Si tu fais... Ah. Play Megaman X5 thème. Attends, t'as pas vu les maps surtout. Ouais, il va falloir. Si tu mets Music Man, je vais devoir le couper. Ouais, parce que là, à la limite, faut mettre le thème du combat entre X et Zero dans Megaman X5 là. Ok. Alors, voilà, je mets Music Man. Ah mince. Alors, 2 secondes. Et.
banane. C'est bon, vous pouvez mettre des musiques. J'ai réussi à le baisser. Si j'étais toi, j'aurais dû mettre mais la musique de Mega Man versus Zero, parce que je sais pas s'il est dans ce jeu. Mettre chaud. Parce que je sais qu'il y a la musique de Zygma et de Bass, mais. Hein? 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 Non. Concentration. Yeah. Le canon, yes. Ok, c'est fini. Kirby, Mega Man X Central, Storm Egg, Spark Mandrill, Charcoal. Lequel? Lequel? Je suis en train de repenser à Sonic Dream Collection et je me dis, heureusement qu'on connaît pas les autres fangames chelous de Sonic. Il y en a des fangames chelous et je suis tombé dessus et je regrette. Comme Sonic.exe, non? Non, Sonic. Tu parles une fan de Creepypasta là, Sonic.exe pour moi, bof. Bon, clairement, il est quand même pas mal. Hein. Après, clairement, le meilleur pour moi c'est Slender ou Ben Drone. Ben Drone, j'ai joué à son hack, alors j'ai beaucoup aimé. Non, quand je parle de fangame Sonic chelou, je parle de fangame Sonic qui mérite, qui te font dire. Qu'est-ce que. Qui te font dire. Il faudrait appeler un exorciste pour exorciser une bonne partie de la fanbase. Voilà. Ça, c'est ce que je me dis tous les samedis. T'as bien réussi. On est d'accord sur ça, faut les exorciser. Aïe, coup dur pour X. Immense. Ok, j'ai un total de deux chances supplémentaires avant de mourir. Et on sait très bien que mourir n'est pas une activité saine pour la santé. Merde! Nous sommes d'accord. Et je sentais que Ganon est mort comme une merde. Non, tu crois pas ton fin à Smash X. Culé! Non. Oui. Ok, j'ai une moufette hérisson qui m'a sauvé la vie. Aïe. Non, ça va, il m'a sauvé la vie. Je vais voir si ça peut pas me faire un petit raccourci, ça. Et hop. Le météore, viens ici. Si tu veux, X. Ah. Si tu veux, X. Ah, ok. Ils ont quand même bien repris les sprites. Non. Oui. Vous voulez voir qui? Mort comme un débile, yay. X contre Sonic. X contre Sonic. Voilà. Attention. Sonic ou Sonic ou Firestar? Je prends la couleur de X. Ah, moi. Noir et rouge. Je me demande. Non. Salut. Oui. Hop. C'est qui vient d'arriver? Abby. Ah. Ok. Abby. Yo Abby. Tu viens de rater un combat épique avec X et Zero.
sans la musique de Mega Man X5. Voilà, et que je me fail au moins 3 fois, c'est tout. Mmh. Ah. Hein? Arrêtons de parler de Awakening Zero. C'est Zero, mais il est éveillé et ultra puissant. Ouais, il est réveillé dans Mega Man X5, je crois. 4, je sais plus. Ouais. Ouais, dans le 5. Dans le 5, quand on aborde la mauvaise fin, je crois. Ouais. Oui, c'est ça. Si tu joues 0 ou X, en fonction de tes chances de tir, bah... Je diminue un petit peu ton volume. Ouais. Ok, rappelez-moi, c'est qui fait Sonic des jeux, qui joue Sonic là? C'est... un Andy. Ah. Hein, j'ai oublié. Voilà, là ça va aller mieux. L'ordi, il est en train de se faire marabouter. De se faire mettre bien profond. Voilà. Yep. Oui. Attends. Sonic avec un sabre laser. Ça passe. Non ! Après tout, il y a bien le Death Egg dans le jeu. Bah. Ouais. Moi, je m'en fous. J'aime bien Sonic et le chevalier noir. Ah ouais, oui, ouais, il est pas mal, franchement. Ce n'est qu'avec une batte de baseball. Ouais. Oh yeah. Oh merde. Il me repasse, Sonic. Est-ce que je vais réussir? Yeah. Elle le foutre dans le trou. C'est chaud. Oh oh. Alors, qui est le prochain? Ah, dommage que j'ai pas fait un truc pour faire les tours 1, ça serait... Alors, on met qui cette fois-ci? On met qui? On prend qui? Qui prend qui? Qui prend quoi? Bah, je regarde les persos. Si tu les connais pas, certains, tu... Bah, je reconnais surtout des persos de Toho et Sonic, oui, Mario... Attends, ouais, je connais tout Project. Un peu. Voilà. Non, il y a Joseph ou Jotaro. Ah tiens, il y a des personnes. Galambon, plusieurs pour Abby. Ou Guillaumon. Ou Hydralis. Ah bah c'était rapide. Sense. Sense, ouais. Les fans bien vont être contentes. Yes. Oui, j'aime un peu me foutre de la fanbase d'Undertale, un peu. Ah, là.
Sense contre, contre un autre personnage, ce serait quoi? Ce serait... Qui? Là, je suis en train de chercher. Sense contre Jotaro. Jotaro. Juste pour rire, en fait. Bah alors, prenons la map de Sense, alors. Oui, oui, oui. Vu le jeu auquel je suis en train de jouer, c'est approprié. Tu joues à quoi? Ah, j'ai pas changé encore, hein. Ah. Et là, je suis dans une ruche avec beaucoup de grosses abeilles. Ah, tu vas battre la reine des abeilles, je crois, non? Non, ça c'est dans le premier du nom. Non, là, je suis littéralement dans une ruche. Ah, mince. Enfin, je dirais, je trouve le RPG Undertale cool. Après, c'est vrai que niveau RPG, c'est pas mon favori absolu non plus. Parce que je préfère Deltarune que je trouve bien meilleur. Ouais, moi, j'ai jamais été trop dans le move Undertale. Ben, moi, les Undertale, ben, mon pote et moi, enfin, mon meilleur, on va dire. Nous deux, on est souvent. Moi, je suis Papyrus, puis lui, il est Sense, en fait. Alors, parce qu'on a les mêmes. On se ressemble trop à ces deux personnages. Yep, yep. Moi aussi je peux le faire. Voilà. Incroyable. Ouais. Je suis en train de penser au mini saint noir derrière là. Je me dis, il a un regard de pervers. Mais non. Yes, un checkpoint. C'est toi qui m'as de Jotaro. Bon, on a assez de chips chelous comme ça. Donc bon, voilà. Oh, tu sais, il y a la store qui est passée aussi. Pauvre à la store quand même. Ouais, enfin, on remarque à la store, c'est quand même le mal absolu, quoi. Enfin. Moi personnellement j'adore Alastor, mais je suis pas fan quand je me retrouve sur Twitter et qu'on me mette dans les recommandations des fanarts de Alastor, comment dire, indécent. J'ai failli dire pourquoi pas un nude, mais bon. Hein. Ouch. Mais non. Bon, si quelqu'un a une idée de combat, quelle... Alors, quelle idée de combat? As-tu une idée, Abby, ou pas du tout? Est-ce que, juste comme ça... Est-ce qu'il y a des Pokémon qui traînent là-dedans? Oui, il y a des Pokémon, t'as tout ça. T'as un Gardevoir, t'as... Un... Je peux essayer le Vipelier, juste par curiosité. Ah, je vois quel fan game il joue. Ou Zeraora. Ouais, Zeraora, là, tu... Ouais. Juste celui-là, ouais. Ouais, je vois juste voir. Tac, tac, tac. Ouais, n'importe ceux qui te plaît plus, hein. Avec. Contre qui? Si tu veux, écoute. Random. N'empêche, il y a quand même une espèce de Mugen en vrai. Il y a quand même beaucoup de Pokémon. J'en ai un. Il y a quand même beaucoup de Pokémon. On les verrait difficilement dans un jeu de combat. J'ai Mugen qui fait 5 gigas. Alors. Oh putain.
5 gigas, c'est pour moi, c'est un jeu très lourd, tu sais. Hein. En plus, là, actuellement, j'ai. En même temps, je finis un travail avec une pote, elle doit pioncer à ce temps-là, la pauvre. Enfin, de toute façon, il y a des cas, je. Voilà, moi, je fais. Je dirais, là, depuis ce matin, là, j'ai continué un peu ma partie du boulot. Le reste, c'est génial. Oh bah, Pac-Man. Qu'est-ce que c'est trop beau, la vie d'artiste. Ah, je dors. Il y a plus, j'ai plus des Pokémon. Ah. Ah mais non. J'ai plus de pièces. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Ah bon, je crois que j'ai un moyen de fermer. Ah oui, je l'ai. Le fait qu'il y a un truc violet qui l'entoure. C'est vu qu'il y a la musique. Vu qu'il y a la musique de Coriolan. Ah ah. Oh oh. C'est dans la merde. Je vais partager un truc, je la mets en vidéo direct sur Discord, comme ça vous pourrez la télécharger à volonté. Allez, allez, remplissez votre réserve de même avec ça. Il doit bien y avoir un moyen de faire des pièces quand même. La place sur QG Maverick Hunter. 0 qui s'est barré. Moi que vous voulez voir Mugen. Oh, Dieu. C'est comme vous, et sinon. Ouais, je suis plus en train de retravailler pas mal de choses sur. Sur internet. Cool. Alors, qu'est-ce que. Ça sûr, c'est bon. Pourquoi il y a le logo de Windows Quoi? Non, rien, y'a un personne. Y'a. Non, il y a un personnage qui ressemble à un logo de Windows, ça me perturbe. À côté du général, du colonel, comment on l'appelle déjà, la mascotte de KFC là? Colonel Thunder. Oh me demande pas pourquoi je retiens pas. Me demande pas pourquoi je retiens ça et pas mes. Il y a Shrek et de l'autre côté il y a ça. Non. Windows 10. Oui, bah tiens, attends, mon salaire d'exploitation là. Je suis bossé. Je suis bossé sur PowerPoint là, comment? Y'a. Boom vient d'entrer dans le chat. Oh. Yo. C'est cette phrase seule. J'apporte le local. Les équivalentes. Mais Dieu est entré dans le chat ou le diable est entré dans le chat? Priez votre beau Dieu. Attends, les quatre dieux d'internet. À genoux. Reddit, le dieu de la vie. Google, le dieu de la curiosité. Wikipédia, le dieu du savoir. Et 4chan, le dieu du chaos. Pas bête, pas bête. Non, c'est moi le dieu du chaos, j'ai détruit 4chan. Bon, comment ça se fait que je puisse encore y accéder sur le site là maintenant? Oh. Ah, parce qu'il a remplacé par un clown magnifique. Non, je le jure, 4chan. Écoute, c'est bien compte, hein. Compte, c'est la Suisse. Yes. C'est pas plutôt Twitter, non. Non, justement, parce que je me sens que quand c'est vraiment le réseau social, il va être neutre. Twitter, c'est celui pas le dieu qui... du chaos, c'est le chaos. C'est ça. C'est le dieu des. C'est le copain de Tumblr en termes de JW. Alors. 4chan, je vais vous laisser. Je vais voir si j'ai des trucs.
Yo. Oh. Attends, mais il y avait un mec. Je sais même pas si t'as une perte de qualité ou. Il y avait un gars sur le serveur Reploid Rivo, il s'est dit ça y est, j'ai parlé sur 4chan. C'est juste pour te dire le niveau d'innocence de ce serveur. Quoi. Ouais, j'ai écrit sur 4chan. Et j'ai bien marqué Top Man. Et mec, mais oui, c'est Top Man, on sait que c'est Top Man, il veut pas crever, espèce de sale petite merde, hein. Et le gars, Top Man. Oh non, me dis pas que c'est le Top Man. Putain, qu'est-ce que c'est. Ok, alors. Je suis en train de m'aventurer sur 4chan là, d'accord? Ce que je suis en train de voir, je ne peux pas le stream, parce que c'est contre le règlement du stream, je le dis juste. Parce que c'est contre le règlement du serveur. C'est littéralement du porno, mais c'est tellement pas réaliste. On voit en prié. Ok, je te fais. Attends, j'ai pris une capture. Ouais? Deux secondes. Une fois, j'ai voulu créer une règle d'internet. T'as donné quoi? En me disant que techniquement, selon le règlement de 4chan, une fille n'existe pas sur internet. Voilà. L'anecdote nulle. Oui. T'as pas assez de culture pour créer une règle internet. Alors, juste, la règle internet, elle marche pas quand t'as littéralement une règle qui la contredit. Ouais, enfin, c'était une règle. C'était en fait une règle. C'était une règle con qui a ensuite été complétée par une autre personne que je connaissais. J'étais stressée de la route. J'étais stressée de retrouver le truc que j'avais fait. C'était un truc débile que j'avais sorti sur Redpod. Parce que j'avais fait. Et j'ai deux doigts de pouvoir sauvegarder. Alors, boum, je suis en train de t'enregistrer ce que je suis en train de voir, d'accord? Je t'envoie ça en PV. Tu vas. C'est... Non, mais y'a rien de réaliste, c'est tellement drôle. Je mange des cookies. Mange pas devant. Ok, c'est. En gros, c'est des meufs qui lèchent des billes. Voilà. C'est legit. Bon, là, je retombe sur quelqu'un qui a cru que mon email profil c'était réponse. Sérieux? Non, c'est pas vrai. De loin. Alors... Genre de loin. Pourquoi? Boum. Ouais, sauf qu'il s'agit de l'art magnifique de Cap. Non mais de loin quand même. De loin si t'es con en plus. C'est pas gentil. De loin avec un mauvais QI, oui. Ça peut marcher. Ah bah c'est pas très gentil. Et je vais voir si je peux pas avoir une petite gisplante ici. Je mange. Ok. Oh, on peut quitter les niveaux sans mourir. Ah oh, ça c'est trop bien. Oh. Et en plus, il garde des pièces. La première fois, je vais partager ouvertement du vrai porno. Ok, tiens, boum. On va s'en PV. Niam. Putain, mais non, mais je veux pas. Attends, je vais essayer. Oh, purée, j'ai compris.